Bonjour, je suis Lucille, j'ai 29 ans, je suis responsable communication pour les marques Fildar et Pingouin et je suis arrivée dans la société en septembre 2021. Moi, au quotidien, mon travail, c'est de faire rayonner les marques Fildar et Pingouin en externe, c'est-à-dire via les journalistes. Je travaille beaucoup en relation donc avec les journalistes pour qu'ils puissent parler de nous, c'est-à-dire parler de la société au niveau corporate, avec des bilans peut-être chiffrés, des améliorations, la transformation, le développement, via par exemple des conférences de presse qu'on organise, ou alors aussi au niveau produit, pour qu'on puisse montrer nos collections, montrer les nouveautés, voir qui est Fildar, qui est Pingouin, enfin, montrer comment les marques ont évolué et ce qu'elles proposent en produits. Mais aussi, je travaille beaucoup sur la partie associative, puisque Fildar et Pingouin sont des marques qui aiment être donateurs pour les personnes qui en ont besoin de pelotes. Donc, je fais aussi les liens avec les associations qui en ont besoin. Ce que j'aime beaucoup au travail ici et au quotidien, c'est d'être challengée souvent. C'est-à-dire qu'on se donne beaucoup d'objectifs, on a toujours de nouvelles idées. Et c'est vrai que travailler là-dessus, c'est hyper dynamique. Moi, j'aime beaucoup voilà, faire évoluer les choses, avoir toujours des défis différents. Et dans cette société, c'est vraiment quelque chose qu'on retrouve au quotidien. On fait confiance aux personnes, on s'appuie sur elles pour avoir de nouvelles idées, développer de nouveaux projets, des petits ou des grands. Et c'est surtout ça, moi, qui me plaît beaucoup et qui me fait me lever de bonne humeur tous les matins. Pour moi, Fildar et Pingouin, c'est des marques que je connais depuis très longtemps, puisque ma mère a toujours tricoté du Fildar. On a l'habitude de voir cette marque au quotidien chez nous. C'est pour ça que quand j'ai vu l'opportunité de job chez Fildar, je me suis dit que c'était une marque déjà que je connaissais et que j'appréciais du côté personnel, et pour laquelle j'avais envie, moi aussi, côté professionnel, de m'investir.